Bienvenue Cannes Family, Sydney, votre animateur tout sourire, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Cannes Football Club, votre rendez-vous foot web préféré. Je suis en très bonne compagnie aujourd'hui avec Hugues Léger, directeur marketing de l'Impact de Montréal. Bonjour Hugues. Salut, comment ça va? Salut. Très très bien, on va parler aujourd'hui du concept Marquons l'Histoire, cette campagne publicitaire que vous avez vu passer, un concept, une idée, un site web, surtout un hashtag qu'on a tous utilisé durant les derniers mois. Hugues, comment est venue cette idée de marquer l'histoire? Bon, on voulait faire du 3 mars, c'est évidemment un très grand événement. La relation entre l'Impact et la Ligue des Champions, c'est une histoire assez particulière aussi, qui avait commencé en 2009 avec ce fameux match contre Santos Laguna, où il y avait eu 55 000 personnes au stade. Et c'est une occasion pour nous de passer en demi-finale, ce qu'on a réussi, de marquer l'histoire. Et donc on s'est dit, on a une belle histoire qu'on peut créer avec cette thématique-là. Et vous avez choisi une approche très particulière avec un site web illustré. Donc, comment finalement vous avez décidé d'aller vers une approche plutôt ludique, si je puis dire? Bah, premièrement, on voulait avoir un micro-site qui était dédié au match. On va travailler de plus en plus maintenant sur des thèmes pour chaque match, pour créer un engouement, pour créer tout un build-up au niveau du match. C'est vraiment important pour nous maintenant. Aussi, on travaille beaucoup sur une cible qui est un peu plus jeune qu'avant. Au niveau du marketing, vous verrez dans la tonalité, les couleurs, la façon de parler aux gens. Pour préciser à nos lecteurs, auditeurs et visionneurs, on parle des 18-34? Oui, voilà. Du Grand Montréal? Essentiellement 25-34, Québec, avec un focus Montréal. Donc c'est quand même un recentrage, un parti pris qu'on prend sur une cible qui est plus jeune là, cette année. Donc là, dans la tonalité, la façon de faire les choses, ça une approche digitale qui s'est déclinée avec un site web, la page Facebook, le compte Instagram, le compte Twitter, tout est orienté justement sur cette communication. Il y a toute une convergence au niveau digital. On a recentré les budgets marketing aussi au niveau du média sur les plateformes digitales. Cette cible-là, évidemment, elle est mieux rejointe par ces plateformes-là. Donc c'est un gros changement au niveau de l'approche média de l'Impact pour 2015. Et on voit que ça fonctionne aussi. Donc. Justement, la question que tout le monde se pose, à quel point ça a fonctionné? Un peu en chiffres. Ben déjà en chiffres, le micro-site est en ligne depuis la mi-janvier. On a dépassé les 100 000 vues déjà. Les vidéos que vous voyez arriver aussi, on a un succès dans les plateformes digitales qui est incontestable en ce moment. L'engagement qu'on crée avec les fans, et c'est vraiment un niveau supérieur à ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Donc on a régulièrement au niveau du contenu comme en ligne des 20 000, 30 000 vues quotidiennement. Et on peut savoir à qui on parle, on peut leur répondre, donc c'est vraiment utile pour nous en ce moment, et on a réussi à faire un build-up avec ça. Et marquons l'histoire, ce qui est bien aussi, c'est que les joueurs se sont appropriés. Donc tout le monde a vu comme un cri de ralliement derrière ça. Patrice Bernier le soulignait encore hier. Il voulait marquer l'histoire avec nous, donc il y a eu tout un engouement autour de ce thème. Alors, j'aimerais revenir sur un événement de Joey Saputo qui a peut-être fait une sorte de cri de cœur pour ne pas marquer l'histoire à la négative. À ce moment-ci, on se rappelle, vous êtes dans la salle, on discute des approches marketing, d'un marketing dont on a besoin peut-être un peu plus visible. Qu'est-ce que vous dites? Notre plan de match, il est bon, on continue comme ça? Ou attention, red flag, il faudrait qu'on change un petit peu l'approche? Le plan de match, il n'a pas du tout changé entre la sortie de Joey. Et maintenant, tout ça était planifié au niveau des activités qui devaient se produire à 2-3 semaines avant le match. Évidemment, le match nul à Pachuca a aidé à créer le dernier push au niveau de l'intérêt public. Mais Joey faisait un cri du cœur qui n'était pas ponctuel, je dirais. C'est plutôt ce qu'il voyait depuis un an et demi comme investisseur au niveau de l'académie, au niveau du club. Les ventes de billets de saison qui n'allaient pas aussi vite qu'il voulait, mais ce n'était pas relié spécifiquement au match du 3 mars. Donc après
nous, le plan a commencé et les fans sont venus avec. Exactement. Deuxième événement clé pour moi, c'est ce 2-2 obtenu sur le terrain de Pachuca. Il y a eu vraiment un avant-après. Ouais. On dit parfois que le meilleur marketing de l'Impact de Montréal sont les performances sportives. Dites-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé suite justement à ce très bon résultat. On sait tout commence avec le produit, donc on peut comprendre que les fans étaient un peu sceptiques après une année difficile en 2014. Ils ont vu la nouvelle équipe, le caractère, la confiance, le leadership de l'équipe sur le terrain. C'est des bagarreurs qu'on a connu cette année sur le pitch, donc ça fait une sacrée différence. Donc ce 2-2 là a été un déclencheur, je dirais, de la cinquième vitesse au niveau du plan marketing. Donc effectivement, les victoires sont le meilleur marketing, mais en même temps, si on parle bien aux gens, ils vont avoir envie de s'engager avec nous, ils vont avoir envie de venir nous voir. Ces gens-là, 38 104 personnes qui ont été témoins du but à la 93e minute de Cameron Porter. Ce moment-là, ces émotions-là, comment on les vit de l'intérieur? C'était incroyable, on l'a vécu comme tout le monde. Il restait moins d'une minute, c'était probablement la dernière phase de jeu. Une passe incroyable, un contrôle après de Porter pour faire cette finale de grande classe, c'est nous que j'ai employé. C'est vraiment incroyable. Je dirais même dans les moments sportifs de Montréal, c'est peut-être dans le top 3 que j'ai pu vivre. Plusieurs rédacteurs sportifs m'ont partagé ça aussi. C'est un moment unique. Donc on a vraiment marqué l'histoire, au-delà même de nos espérances, je dirais. Un moment porteur d'espoir. Voilà. La suite maintenant, l'histoire est marquée. Comment on aborde cette demi-finale contre le club de costaricain dont je ne connais pas très très bien prononcer le nom et la saison qui, une chance, va avoir lieu en temps et en heure. Oui. Donc comment on aborde tout ça maintenant dans la continuité de cette campagne publicitaire marquant l'histoire? Oui. Ben là, je peux vous dire que l'histoire se continue. On est toujours dans cette série de marquant l'histoire. Toute notre évolution dans le tournoi de la Ligue des Champions va se faire sous la plateforme marquant l'histoire. Donc elle est déjà bien diffusée, bien partagée, donc on va continuer dans cette direction-là. Je peux vous dire aujourd'hui que l'histoire continue, donc vous pourrez voir au niveau publicitaire ce qui va sortir dans les prochains jours, en plus d'image de 18 mars. Un petit scoop pour nos auditeurs du Cannes Football Club. On va tout simplement continuer justement sur cette même plateforme, donc on va continuer de travailler très fort sur Facebook, sur Twitter. Vous avez vu le taux d'engagement, les tendances Twitter depuis deux semaines sont juste incroyables. On a été souvent numéro 1 à Montréal, le top 5 au Canada, donc l'engouement sur les réseaux sociaux est indéniable pour l'Impact. Donc on va continuer de pousser sur les mêmes plateformes, c'est la même histoire qui se poursuit. Donc la thématique du match du 18 sera l'histoire continue, donc voilà. Merci Hugues. Grand merci d'être avec nous au Cannes Football Club. On se retrouve très bientôt. Envoyez-nous vos commentaires, partagez, likez, faites vivre cette belle émission. Et encore merci à l'Impact de Montréal de nous avoir reçus dans ses bureaux. À la prochaine. À bientôt.